Tendez bien, obéir. Donc, t'assemblé, Michel Martelly, monsieur. Terrain Haïti à chaud pour monsieur pour l'instant. Et t'as gagné des ambassades, ou bon, me dit plutôt yon ambassade, qui t'a demandé, monsieur, pourquoi vini Haïti d'ailleurs, t'es saisi ou ouais, monsieur rentre à Haïti dans le moment ça. Parce que m'de dit ça avant hier. Rive Michel Martelly en Haïti, son auto-déportation lié. Parce que, oh, d'ailleurs, mes amis, même pour blague, on paye côté sanction à prendre par-ci par-là. Bon, gen qui Haïti vient cacher États-Unis, capitaine résidence. Et yon paye par-on sa karive yo. Parce qu'on est même si des gars évoluent en Haïti, bon, on est tout bagay yo, c'est États-Unis lié, c'est Canada, c'est la France, c'est République Dominicaine. Et ça fait un coup de 4 cap fait là. Yon nan pays qui est important pour moi, c'est République Dominicaine, mais elle tellement bat col jusqu'à ce que États-Unis a commencé à prendre sanction contre lui tout. Oui, yo attaqué là dans le sucre brûlé là pour pas pour pas avouer encore dans pays États-Unis pour pas prendre un amel. T'as dit tellement bat col et façon la traiter travailleur la Cali et puis yo estimé que République Dominicaine yo pas respecté moun, yo pas respecté vie moun et Biden et décider pour yon camper en série de relations avec la République Dominicaine pour ça. Commercial. Son gros coulier. Ça veut dire que gon paquet nèg qui en Haïti qui a fait cob. Mais c'est manger Haïti al boue de l'eau kay voisin. Donc Louis Abinadel, nous t'a vraiment souhaité, monsieur, commencer à entrer dans la même logique là. Et puis le salap commence à venir nèg qui vient un bon sentiment. Qui commence à remettre Haïti, qui investit en Haïti, qui croit en Haïti. Et ça va dans yon. Ça veut dire que terrain Haïti a commencé chaud pour une série de nèg. Mais où est l'autre réflexion me fait? Parce que, où est-ce qui passe? C'est le gain de blousage dans le cas là. Pour qu'on ait combien d'assiettes de faïence qui était là. Nous vous dit ça. Ça fait quelques temps m'a ba nou information ça. Dans l'analyse que m'a fait. Parce que les bas la passé mal. Yon a pas vili l'autre, yon a mette secret l'autre de yon. Qui ça m'a dit nous? M'a dit que Ariel Henry, même Jovenel baron Ariel Henry. C'est Michel Martelly qui imposait Jovenel Ariel. Et ça te fait monsieur plein pouvoir dans mel. Et Ariel pas qu'a dit en yel, toute sa mi qui mandel à vos ordres. Parce que c'est Timoun Martelly mette là. Ta dit Martelly dit changer, changer, révoquer, révoquer. Voyez aller, etc. Donc c'est Martelly qui a dirigé à distance. Et comme Martelly a son nègre, gros blanc, soi-disant, zami pays d'Haïti, au pareil, forme tête, monsieur. Eh bien, yon quitte, monsieur, continue comme coach Ariel. Et ça te fait coup Canada, bail là, son gros coulier. Son gros coup, t'es des avoués, dis donc, hello, Sully, mais attendez bien. C'est même blanc ça, yon, qui pareil, forme tête, Martelly. Kap supporte l'an tout dérive, li yo. Yo accepté marcher avec Ariel. Mais Jean-Bar la pralé là, blanc yo yo avili tête yo. Parce que population haïtienne nan tan men wè en bas yo. À travers binu, corps groupe etc. qui pas utile pays a rien. Donc c'est une madame là Lim qui te vinn là dans conseil des Nations Unies qui dit que création G9 sont solution liée au contraire ça diminue insécurité dans pays a et puis kidnapping gang multiplié puis raid moun pa marché. Et bien attendez non. Le fait que Martelly c'est ami moun yo moun sa yo protéger Ariel par le truchement de son ami Michel Martelly. Yo protégé Ariel Henry. Parce que si yede boupe pa ici, Ariel pa la longtemps. Qui sa ken Ariel? C'est pas peuple haïtien. Son tweet qui ken Ariel, oui. Oh oh, y pa blague ma banou, non? Tout ou Ariel a bat kol la. Son tweet qui ken Ariel, oui. Ariel besoin tweet seulement pour le parler encore, oui.
Qui est-ce qui a Bill? Les grands blancs, en particulier les États-Unis. Le département d'État américain en tweet suffisant pour Ariel parler en gros. Eh bien, qui s'est passé? Jodi a des sanctions qui t'en même prend. Et Canada, États-Unis qui parlent paraître toute tête li. Et c'est ça qui fait une intervention en Haïti, oui. Parce que en pile membre dans l'ONU, yo pas voulu prendre charge. Canada on ti crasse gen karenka, mais elle paraît pi devant. Et puis États-Unis même en backup, mais elle pas voulu paraître toute colle. Mais kounya gen moun Canada prend sanction contre yo. C'est l'Assemblée États-Unis pas gen trop problème à moun sa yo. Mais le fait que kounya li vinn nouvel non dilemme. Li pa ka la ge patnel, li les autres dil sa non tweet. Tende oui. Tende bien oui. Le fait que Kounia Canada prend sanction contre une série de nèg dont Michel Martelly. Kounia États-Unis trouve le non dilemme tout. Parce que le protégé Michel Martelly, monsieur, non le cité comme nèg ka finance gang dans le pays. Kounia a gen deux possibilités. C'est soit États-Unis d'accord continuer partenariat avec le Canada ou bien li d'accord supporter un chef gang qui c'est Michel Martelly, pas moins dit non. Dans le reportage là, Odile, attendez bien oui, dans le reportage là, Odile, et Canada li dit c'est nèg qui a supporter et cetera action criminelle dans pays. Et les map tant des réactions moun yo dou que ça va nouvelle. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Gene Biden était toujours à dire nous. Puisque Kounia a un petit malaise, parole lui a parlé. Par exemple, Ariel Henry. Et gardi ta fond réflexion, Martin, qui presque tombe à plomb. Que m'pap dit jamais je te dis réflexion, mais gen vérité là-dedans. Parce que Laurent Lamotte pral signaler ça hier avec Valérie Saint-Louis comme salué. Mais moi, je me dis, c'est pas une émission, pas de ça, j'aime parler. Ou bien sanction pour contrôle au tribunal. Média, la presse, pas tribunal. Mes amis, la presse, suspend la presse, suspend, journaliste. Yo. Nous pas avocats, monsieur. Bon, m'attends de Gary, qui me fait pitié pour Gary, oui. M'attends de monsieur. Je dis à m'attends de monsieur son on extrait. Kap rappelé, aussi Michel Martelly, mais gars, pas de tout de sécurité, ça. Qui est-ce qui met en sécurité là? Monsieur, m'a toujours dit, on m'a cherché un compte, mais nous pas de problème, monsieur. M'a tendu Gary Bierbol Charles, qui me fait mal, oui. Ou pas faire comme ça, non, Gary? Ou m'a respect pour vous, comme journaliste, ancien journaliste, ou bagay, mon ou pas faire comme ça? Alors, on va venir vendre pays à là-haut, sous Michel Martelly, pas de tout de sécurité. Qui est-ce qui a dirigé là, Martelly? On va pas comme ça, Gary? Gros journaliste, ou mène enquête, ou pas comme bagay ça? Ou par contre, c'est Martelly qui est toujours au pouvoir. Ou par contre, c'est Martelly qui est responsable de tout le monde là. Ou par contre, ça. Ah, monsieur, il n'y a pas fait ça. Et pas parce que comme si vous avez fait promotion ou bagaille, gouvernement la caille, ou bien un chèque bagaille, puis l'argent a touché, ou fait propagande, et puis vous avez une vente pays à mon ça. Ou encore, moi, je n'ai pas fait ça. Parce que je me dis, aujourd'hui, on campe en contre-attaque. On campe en contre-attaque parce que le pays a bouqué. Et quel que soit nègre, quel que soit médialier, même si c'est là dans Émancipation FM, m'a dénoncé. Moi, campé en contre-attaque. Parce que nous prenons pays, monsieur, nous participer dans le d'accord avec Arnel Belize qui passe pour un ami à Isaïe César. Pas grand quel moyen pour venir défendre Laurent Lamotte. C'est du vagabondage. Ouais, Arnel là, puis je sais pas. Beaucoup de gens font une belle émission avec lui. Il va. Peut-être Bobo Rimagali fâche avec. Mon problème. On va parler, oui. Côté Laurent Lamotte, côté Laurent. J'ai réagi énormément par position que je gagné. Je servi avec la plateforme ensemble avec le Premier ministre pour induire M. Anywhere. Et c'est là que nous allons aller avec vous. Mais le prochain jour, je vais vous dire ça qui passe. Moi-même, je suis étonné, je suis choqué pour moi que le ministre des Affaires étrangères. Généus, Chita à côté Trudeau, et puis prenait à annoncer des sanctions contre un ancien président avec deux anciens premiers ministres, et puis moi, la petite déclaration qu'il a fait.
pendant que c'est Michel Martelly qui pratiquement imposé Ariel Henry by comme pour venir premier ministre dans le pays. Donc c'est le monde à l'envers. Dérangé énormément par position que m'te gagné yo. Yo servi avec plateforme yo ensemble avec premier ministre donc pour induire monsieur en erreur. Et c'est là que nous voyons là avec yo. Mais le prochain jour là bien pour nous ça passé. Moi même m'étonné, moi choqué pour moi que ministre affaires étrangères Généus Chita à côté Trudeau et puis prenait à annoncer des sanctions contre un ancien président avec deux anciens premiers ministres et puis moi la petite déclaration qu'il a fait pendant que c'est Michel Martelly qui pratiquement imposé Ariel Henry by comme pour venir premier ministre dans le pays. Donc c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Eh merci Lolo, on bat connait. On bat connait. On dé connait ou confirmer pour nous. Ah on connait et même nèg yo. Yo konn ya connait. Bah go l'argent à discuter. Yo prend poste divisé. Vous comprenez? Et ça me dit nèg ça yo c'est là gen ti problème nan ka la pou konn tout détail. A pas monsieur di ba la konnia. Nous d'accord avec. M'pa jam parler cause m'pa connait non. A pas konnia Lolo dit nous que c'est Michel Martelly pratiquement qui impose pays à Ariel Henry. Eh bien, attendez bien. Bon bah, monsieur dit là, qui attire attention. Attendez, oui. Mais coup de monsieur Songe Zalbat, j'en dis ça avant, mais coup de pression contre l'IA. Mais ça fait monsieur répéter ça, c'est parce que monsieur remarque, pendant sanction à bail, qui est-ce qui là, c'est ministre affaires étrangères, Généus. Je dis ça avant hier. Et c'est Généus qui là pendant que a prend sanction oui côté monsieur ah chivio là côté monsieur mais monsieur là mais Généus oui mais Généus pendant yo pral prend sanction contre nèg sa yo ancien président tu ancien premier ministre mais Généus était là c'est ça qui bail Laurent la mort problème mais on pas comprendre pour un journaliste a poser Laurent la mort question pour le pas jambe ka met accent. Ouais bah ça le ka font émission complète sur les 25 stades sous aéroport Li La Vache sous Roche qui était de construire parlement qui coûte ouais c'est Roche qui piche dans mode là oui 10 millions de dollars oui Roche ça a coûté pays là oui plus passer 19 millions de dollars oui pour te faire l'autre bois oui Li La Vache aéroport l'agence nous avons qu'on a levé du non c'est cabrit qui l'a donné oui pour j'aime dans nos journalistes poser question sur ça. Et pas ça, je cherche, je Ndou, où est l'argent fait? Bah, il te parle, bah, il doule, ça va me faire un gratis. L'argent tombe, oui, là. Un pays d'Haïti, c'est un pays difficile. Comment nous imaginer, pays? M'bon prend Sam. M'prend Sam. M'pas le gain t'en chercher son ça. Pour m'tende, Zami Anel accusé de les Salim Souka, là. Bon, même bon fou saisi. Comme nèg sa ou gen journaliste pa yo, gen media pa yo pou di sa ou vle. Malgré certaines fois zanmi yo kon pose bon question. Mais on konnen tout parfois. Pour protéger boss ou gonjon ap jere ba yo, comme dou. On nèg ou se ou ap travay comme chef cabinet ou premier ministre. Pour zam commandé en Israël, alors que Haïti gen embargo zam sou li. M'pa kwèl de jam leve. Ça veut dire, Anel va pas mentir, non? Monsieur a tenté de dire Anel va pas mentir, mais Anel a une vérité dans lui. Zam nan commandé en Israël, transité par le Canada, sous nom qui est-ce qui vini, kou nan misa chercher français, là les français, là di destinataire, notification, comme si, et où yon te de notifié? Côté, c'est ou même qui représentant CSPN? Côté chef police là, nan époque là. Ah, monsieur Bayo en pile. Comme si c'est monsieur qui est tellement crédible dans le pays, hein, comme juriste. Et puis c'est lui-même qui a notifié Galilée tombé dans le pays. Et puis jusqu'à présent, on a bousqué Galilée. Il y a une Galilée, ça y a un jeune du Jamaïque. Il y a une jeune qui est voisin. Il y a plusieurs jeunes là dans la saline. Et puis Salim Soukadou, c'est pas destinataire, non? Notification, comme si notifié. Et puis c'est non lui, tout va bien, non lui.
Tchè, ouè pays ça? Son pays difficile. RFI 8h06, en Haïti, la joie de la population après l'annonce de nouvelles sanctions. Sanctions décidées par le Canada visant des personnes suspectées d'avoir financé les gangs armés qui ravagent le pays et terrorisent la population. La liste s'allonge avec cette fois-ci l'ancien président Michel Martelly ainsi que les ex-premiers ministres Laurent Lamothe et Jean-Henri Séan. Ils ne pourront plus accéder aux comptes et capitaux qu'ils détiennent au Canada. Des ministres en exercice, le président du Sénat, d'anciens parlementaires et des chefs de gang avaient déjà été sanctionnés. En Haïti, les réactions sont enthousiastes, comme a pu le constater notre correspondant Ronel Paul. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en Haïti. L'euphorie est presque sur tous les visages. Odiel Petit Frère n'a pas de mots pour exprimer sa joie. Mon cher, je dois te dire que lorsque j'ai entendu ça, je me suis senti comme la terre sèche au moment où la pluie tombe. Et puis, même si ce n'était pas officiel, c'est des choses que nous savions déjà. Et aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout... Attendez bien. Amdou, c'est français facile, Rémi Louis. Pas battre quoi, l'âme des faciles, attendez bien, hein. Au moins, ça, amis, ça dit, monsieur a dit que, même si c'est pas jam officiel, mais son série de bagages nous te connaît déjà. Ça dit, soit Canada, États-Unis, Abdin, là, y aurait les en communication, les chiens écrasés. Ces bagages nous connaît, c'est bouillon réchauffé, oye. C'est parce que ne pas jam gen moun qui gen dimension en Haïti, qui te ka osé di nèg sa ou nan gang. Et ça, oui, amis, Abdin, là, sous RFI. Et d'où est ça, Abdila? C'est li pa jam officiel. Mais ce bagage, nous te connaît déjà. Donc, son petit rappel Canada fait pour nous. Pour le dire, ouais, nèg, ça ou pas jam propre. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui avilitent, yo. C'est eux-mêmes qui disent, on en vole. Hein? Nous, la créé musique, les doux, bandit légal, yo dans la rue. Bandit légal. Pour ça, ça le dit. Pour ça, le va dit universitaire, yo dans la rue. Pour ça, y'a bandit légal, les doux. Ha, di gon plan, ge planté là, oui. Ouè, bay bandi légal, là, pil tout prenne avec Yannet. Tout bandi légal. De bou légal ou ka bandi. Bandi légal, yo pren la, vous comprenez? Et puis bandi légal, et puis pas un problème. Advance. Déjà, aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout pas Michel Martelly. C'est le chef de gang le plus puissant en Haïti. Oh my god. Non, ça a frappé. Oui. J'ai dit que. Ça pas nouvelle, tout le monde dit comme ça. Il dit, et surtout Michel Martelly, c'est le plus gros chef gang pays à gagner. Bon, pour moi, moi-même, famille Martelly pas à l'aise dans le moment. On va. On est citoyen américain, on est citoyen canadien, on est colombien, on est. Ou pas ka, sous ce monde, ou gen sans pas à l'aise. Vous comprenez? Ou pas capable à l'aise parce que. Non, bah, yo grave. RFI, oui, RFI, Radio Mondiale, oui, qui a parlé là. Bon, tout, n'est-ce pas, ça. Chef de gang avait déjà été sanctionné. En Haïti, les réactions sont enthousiastes, comme a pu le constater notre correspondant Ronel Paul. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en Haïti. L'euphorie est presque sur tous les visages. Odiel Petit Frère n'a pas de mots pour exprimer sa joie. Mon cher, je dois te dire que lorsque j'ai entendu ça, je me suis senti comme la terre sèche au moment où la pluie tombe. Et puis, même si ce n'était pas officiel, c'est des choses que nous savions déjà. Et aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout pas Michel Martelly. C'est le chef de gang le plus puissant en Haïti. C'est vrai qu'il fait plus ça que pays. Simé Noël n'est pas en reste. Il dit avoir eu la chair de poule, après avoir été informé de ces nouvelles sanctions. Pour lui, les personnes ciblées méritent d'être immédiatement chassées du pays. Vous, moi-même, les marchés dans toute moelle. Cette nouvelle circule dans toute ma moelle. Maintenant, c'est à la population de se soulever pour saisir les biens de ces malfrats. Parce que le gouvernement actuel, c'est la même équipe. Il ne va pas saisir leurs biens. C'est nous. Correct. Même équipe là. Et ça te fait souhait au doux, Martelly Taguet en quitte Haïti. Pour le temps passer par Saint-Domingue, pour le Panama, il n'y a pas fait. Parce que j'entends des reportages là, autant de le tout. C'est un long reportage passé sous RFI. Il passe sous Bébé Gilles, il passe sous Ticozac TT. Le monde entier est en d'elle. Et moins doux que la dernière information que j'ai, c'est une ambassade qui m'a checké sur lui. Je dis qu'il y a une ambassade qui m'a checké sur lui. Pour m'a fait fly. C'est une ambassade qui t'a demandé Martelly pour le chou la colle dans le pays parce que y a trop de pression. Son pays difficile.
malfrat. Parce que le gouvernement actuel, c'est la même équipe. Il ne va pas saisir leurs biens. C'est nous, le peuple, qui devons confisquer tout ce que possèdent ces hommes dans le pays. De son côté, Maître Franz Mofis félicite le Canada pour ses mesures qui visent à aider Haïti à sortir de l'emprise de ces hommes politiques corrompus. Le jeune militant annonce déjà des mouvements de rue pour inciter la justice haïtienne à se saisir de ce dossier. Par exemple, nous avons la DCPJ. Par exemple, nous avons la justice qui devrait auditionner ces personnes. Les renseignements américains et l'ONU devraient nous aider également à débarrasser la société de ces criminels, de ces gangs et de ces hommes qui les financent. Aujourd'hui, personne ne peut se déplacer librement pour se rendre à Port-au-Prince. Personne ne peut quitter la capitale pour se rendre en sécurité dans les provinces. Ronel Paul Legonaïve, RFI. Merci, merci Ronel Paul, bon bagay. Bel travail, bon travail. Faut moi, Ronel Paul, bon bagay. Bon bagay, tenez bien, oui. Yo donc, Michel Martelly, c'est chef gang qui est plus puissant dans le pays. J'ai l'impression que vous oubliez à chivier ou bien oublier ça qui passe, ça qui dit. Et ça te fait, gon zami là, bon, moi m'a pas connu, mais monsieur qui doit pas se finir tranquille tout, non? Nèg yo joué avec Moyo. Les bibliques, au commencement était la parole. Ou pas qu'à jouer avec parole. Et me crois dans Hébreux 13, si je ne me pas trompé, me dit que parole là sont épées à double tranchant. Ou pas qu'à jouer avec parole. Moi-même, je ne sais pas, comme c'est 800 moun, son liste de plus passe 800 moun d'après Métronome. L'ika difficile pour nous, Joseph, jout pas là, oui. Jout! Ou t'es bon menti, ou t'as vu nanti, ou t'as vu ou t'as tout bas, on parle encore, ma. Désolé. Et l'en développe par la pays, on va choisir parler dans l'émission pays. Et l'autre côté, on t'a désolé. Pour n'y aller trop tard. Parce que, ouais, Samdoula, l'ika difficile pour nous, jout pas non liste tout. On va l'expliquer pour qui ça? Comment on est où c'est pour le ministre pays? Même si monsieur parfois son anti-stress, il fait un tout. Mais c'est pas ça que vous venez faire. Comme premier ministre, ou c'est président, ou c'est chef CSPN, moi j'en tape mon ta cheval sur mon normil dans le palais national. Parce qu'on dit fuck la sécurité, faut aller dans cette sourite dans le village de Dieu. Nous songez ça. Nous songez à dire ça. Nous songez à dire ta remé aller dans son Tony Mix dans le village de Dieu. Où ça le bat dans tabou combo? Et Tony Mix l'a dit. Vous comprenez? Non, ouais, oui. Tendez bien, oui. Monsieur paraît. Pas qu'il y a des actionnaires, tout, oui. Bon, ouais, Yvener, là, son nec. M'a compris, monsieur, non? Il est tout ça, j'ai pas gros dégâts. Monsieur a non émission RFI après le définition, j'ai le dédou que, etc. Ral pas la isole, parle ceci. La non émission sous RSF. Il venait à dire, monsieur, mais où son chef gang? Sans filtre, il venait là, il va là, oui. Il dit, bon, comment il est là, où son chef gang? Comment parle à un chef gang? Parce que vous parlez à tout gang, où son chef gang? Et monsieur, pas même, il vague sous ça, oui. Côté, il venait, côté, monsieur. La vole est sous d'homme, alors que moi, pas besoin de voler moi-même. Ok, nous sommes moun qui a bien vivre depuis longtemps. Nous connaissons ça déjà, nous sommes aristocrates rural. Ouais. Aristocrates quand même. Quand même. Nous sommes en conversation entre moi et des amis. Qu'on ne pas dit rien de qui s'est passé. Parce que où son chef gang qui parle à gang, et puis qu'on est pas la voix comme si c'est un bon monde. Ou voilà, ils ont encore. Li pari les amis. Li pari les semaines. Qui l'autre ami gang qui est là? Si la plétéri les moins l'autre jour. Non, mais attendez ça. Non, mais en sérieux? Bon, attendez ça. Amdo, on va payer ça. Bah, yon pile. Parce que, même pour blague, c'est vrai, on doit honnête. Et on doit honnête parce que honnêteté n'est pas facile pour jouer. Non, on doit honnête. Mais il y a des fonctions occupées. Parfois, obligé de cabrer bagayou. Parce que sous bon Dieu, bonne chance, son privilège,
pour arriver comme premier ministre. À défaut de Sénat République là, où c'est censé deuxième personnage politique pays a. Bon posture pour gagner. L'on dit, ti la pli Terrello, qui est-ce qui ti la pli? On Patrick Vital, Nerline, l'on dit, ti la pli, vie moun Nerline, oui, pas vrai, Nerline, tu vas prendre l'aide pour me frapper, vie moun, pas vrai, Nerline. Tendez bien. Il remet, je te fais le rire, pile, tendez bien. Le kounia ou dit, il venait fin d'où son chef gang. Ça veut dire que, est-ce que deux ans ou bien chef gang l'a parlé? Kounia l'allemando, qui est-ce ou parle avec vous? Ou dit, ti la pli Terrello. Bon, moi même, c'est aïe là, m'gè téléphone jout. Kounia pour ti la pli, gè téléphone au premier ministre, en pays. Ah non? Son pays est difficile. Maxon Marco. Tendez, son pays est difficile parce que le jour d'a parlé de ti la pli Terrello, qui est-ce qui ti la pli? Alors que ce même jour dont nous parlons, Grégory Saint-Hilaire, t'es besoin de l'y pas de cajouen. Ah, messieurs, nous méchants, pile.